Ambassade sa yo, yo mout ke ki yo ke bonne volonté pour yo ta capable pore et rejoindre Guy Philippe. Nan bataille sa ke li même la vle mene et changement ke la prône pour nouvelle Haïti. Et ensemble ambassade sa yo, selon Guy Philippe, yo clairement dit que yo welcome yo moun ki jodi an, ki capable pote contribution pal nan retire Haïti nan sa li la. L'église catholique, encore parle pour dire que. Li pa nan kesyon conseil ka parle la. L'église catholique à travers CEH nan. Yo pa nan kesyon conseil ka parle la. L'église catholique pour que acteur haïtien continue à discuter en nan mitan yo pour garder comment qu'on capable jwenn une solution pour retirer pays nan sa li la. Et l'église a fait connait que yo pa voye aucun moun à représenter l'église catholique dans question conseil présidentiel qui a parlé là. Ça c'est parole l'église dans position claire sur ça qui a passé là. Desi Venez comment est guier parce que nous prêt partir avec on invité pour encore questionner analyser ça qui a passé dans pays. Comment est guier Desi Venez? Gros chapeau pour Blaise Peterson et jusqu'à présent tant qu'on pile monde capable remarquer nous là n'a fait résistance pas gain forme dans le pays d'Haïti depuis où c'est haïtien quel que soit côté où trouvé ou à travers monde là ou pas ka en forme soit stress dépression ou bien réflexion sur ça qui a passé dans le pays là yo pas ka kembe ou en forme Blaise Peterson ensemble si à terre accord sécmation ou bien SNK dit accord proposition sécmation te chita. Je dis pour question signature, t'es continué. Après, il y a un ensemble de signatures, t'es filmé, t'es déclarations, t'es faites dans l'école de la presse. Quel était Maurice Jean-Charles qui annonçait que Remet Charles a eu pas de well, dans mes calcom, c'est pour calcom, moué t'école, dans ce que vous voulez faire, parce que Haïti, les grands mondes, les grands têtes, les solution qui doit venir, c'est Haïtien qui doit proposer l'explication, eh bien, en pile dans le militaire, t'es prêt là, oui. Je te prends la rue, dans le mat 33, yo boule caoutchouc, yo lancé yon paquet à cause piment bouc à l'encontre CARICOM, à l'encontre communauté internationale là. Pour yo dire, yo besoin font calme, yo besoin font poser dans ça qui a offert la République là. Parce que la République pas mérité, ça y a bail là, Blaise Peterson. Pendant journée, gros déblosaï pété dans l'assemblée qui te gagné en tout, faut qu'on dise ça. Côté militant, t'as poussé militant, sans doute, yo gen côté qui ou pas rejoindre. Ça te cause en pile par en pile. Nous prenons gain pour nous garder ça, pour qu'on nous connaisse. Qui ça permet? Les un groupe chita en côté, yo gen même intérêt, cap la cause, yo nan bousculade, yo nan pal en pile, entre yo, Blaise Peterson. Situation qui gen en dedans pays à Blaise Peterson. L'hypote gros inquiétude. Bon côté, secteur privé. Yo pas suspend chita entre yo, pour y a discuter, qui ça ouvre l'adopter comme alternative, qui pour empêcher que yo victime, même la victime malheureux, acte malheureuse qui gagne très tôt dans marché en bas la ville là quoi les boussales qui victime soit bandit mais des différents là-dedans yo les nèg à exam qui regroupé on en vivre ensemble 10 fois ça il y a plevé tête pour regarder en l'air eh bien nèg qui dit c'est bourgeois qui dans secteur privé des personnes yo vraiment inquiété nèg yo graisser toutes armes que yo gagne dans l'idée pour affronter bandit cap vinn attaquer parce que yo dit yo pas prêté pour bandit vinn touyer Lucien Girard. Monsieur qui était porte-parole, la présidence, sous Michel Joseph Matéli, qui était continué post-li jusqu'à Jovenel Moïse, kidnappé la Kaeli, Blaise Peterson. Jodi, faut que moi dis, personne pas épargné dans fléau, dans catastrophe politique, instabilité, cap frappé pour le pays d'Haïti, pendant ressortissant, pays les États-Unis, la France, Canada, République Dominicaine, continuer à courir quitter pays d'Haïti, pour y aller dans le pays, dans zone qui ont senti que sécurité est capable d'assurer suite avec ça. Qui là, qui rentre haïtien, qui vivant dans le pays, il a toujours senti très vulnérable. Il y a beaucoup de sénateurs et députés tranchés sur la situation haïtien qui vit aux États-Unis, dans sa qui vient pour eux avec la question TPS, eh bien, ils ont demandé pour renouveler parce que la situation monde dans le pays d'Haïti paraît triste et ils ont demandé avec l'administration Biden pour suspendre avec séance déportation. La situation, ensemble, point ça, sans doute pour le faire essentiel pour l'émission pour matin. Songez, nous avons rendez-vous, nous ne pouvons pas rater pendant, invité à lui à souffrir. Mais, amis internautes, nous n'avons pas quitté parce que nous n'avons pas quitté déjà. Et il manque un cassé. Il manque mettre nous en prison de l'invitation. Et bien, je vais me garder rapidement. Pendant qu'il invite à souffrir là, je vais me garder rapidement, rapide avec mon examen là. Et ça, pour attendre l'invité, sans doute nous avons besoin de vous. Coup de chapeau pour vous. Exactement. Je vais saluer là, on monte avec Jean-Aubert Latour, Elinor Tivik Pakapala, Marie-France Elmonis, qui en même temps tout d'Arline, Mésidor Kensalier, qui Andel Garçon Kensalier, Marie-Jasmine, Marie-Zana.
Nazavier, Marie Nosifor et Jenny Baptiste Kensalier tout gagné Dalcé Jean Kensalier, gagné Junior Pierre Kensalier, gagné Gérard Last Kensalier, gagné Nancy Lotue Kensalier, gagné Jean Élie Guerrier, gagné Jean Job Guerrier Kensalier, gagné Jean Lévi Gaye Kensalier tout, gagné Yolande Fénelon Kensalier, gagné Wishley et Kensalier, gagné User User en pile, gagné André Jean Kensalier, gagné Mona Arslin et Kensalier, gagné en même temps tout Augustast Germain Kensalier des Ivenes, sans oublier que Antoine Francio Kensalier des Ivenes et bon côté pour un break examen avant qu'il vienne avec invité. Bonsoir, bonsoir pour Robin Oncil qui est toujours branché, Marie Isaraka qui est toujours branché tout. Nous disons merci, Dino Delcine, nous disons merci en pile parce que toujours branché, ça fait nous grand plaisir. Ferdina Cadet, merci parce que toujours branché, parce que vous gardez l'émission et vous toujours quittez commentaire pour nous. Gain Paul Christianon qui toujours branché, nous disons merci en pile. Gain Rosemont Sylvain, grand merci parce que vous faites choix. Suzette Wilson, merci parce que toujours grâce nous, toujours gardez nous, ça fait nos grands plaisirs. Rémi Saint-Fleur, merci. Imakila, la fleur, merci en pile parce que toujours gardez nous, ça fait nos grands plaisirs. Nous comptons en pile. Gain Patrice Larichieux, merci en pile parce que toujours gardez nous, ça fait nos plaisirs. Gain et Gerdaville, merci en pile parce que toujours gardez nous. Gain Paul et Fertile qui toujours gardez nous tout, nous disons merci en pile. Gain Marie Tanis, merci pour soi intelligent. Gain Blaise Charles, nous avons toujours gardé, toujours tendu, quitté petit commentaire pour nous. Gain et Molly Recollet, merci en pile parce que toujours gardé nous. Ça fait nous grand plaisir chaque fois que nous. Et faites que Dieu commentaire, nous, ouais, que toujours gardé et quitté commentaire pour nous. Gain Milo Frère, Milo Frère de Frédéric, qui tout branché nous tout, nous disons merci en pile. Gain Docteur Francilo, qui tout gardé, qui tout quitté commentaire pour nous, nous disons grand merci. Ou même, qui peut-être pas attendre nous, dans liste pour nous, qui est la big up, continuez, gardez l'émission, nous, quittez nous, pour nous, dans qui c'était, dans qui continent, dans qui pays qui est obtenu, nous habitations capables de vivre chez nous et déjà, ou même qui à peine vivre, sur ensemble des plateformes. Pas oublier, like, commenter et puis abonner, activer cloche, notification qui permet de comparer une émission qui est blessée. Invitez nous dans l'émission matin, jeudi, c'est Jean Ewens, c'est politologue et juriste de formation, jeune politologue en même temps. En même temps, tout, qui s'est dirigeant parti grandir, et parti grandir, c'est, yon, alors, et structure grandir, lycée, yon, et structure en dedans, révèle, équipe ami, ensemble de organisations et parti qui s'y est, déclaration 5 mars, que nous connaissons déjà, qui yon même, dans le conseil présidentiel 3 mois blanc, c'est avec un politologue, Jean Ewens, qui nous a parlé là. Jean Ewens, comment est-ce qu'il est? Et m'a salué toutes, internautes qui écoutent nous un peu partout à travers le monde. Me saluer ou Peterson Blaise aussi bien que votre collègue Désir. Exactement. Oui, mais j'espère nous allons passer un bon petit moment ensemble. Merci pour l'invitation déjà. Et j'aime dire où c'est une porte-parole mais une membre partie grandir. Grandir ça le veut dire et avant même pour ça me raconte qui est ma parler. Où c'est politologue de formation et juriste en même temps. Grandir ces groupes de réflexion et d'action de l'intelligentsia nationale pour le renforcement de la démocratie. OK. Et en nous gardant ça, non. Oui, on t'a parlé. Pour le renforcement de la démocratie. En fait, pour me porter une petite précision sous nom, c'est Ewens Saint-Jean de préférence, hein, au lieu de Jean seulement. C'est Ewens Saint-Jean. Bon. Ewens Saint-Jean. OK, me déblé, mettez c'est en devant. Merci Saint-Jean. OK. Ewens Saint-Jean, on garde ça comme, on dit, politologue et comme jeune acteur politique. Je dis en là, qui, pour première lecture, réaction fait de questions CARICOM avec conseil présidentiel, c'est Mme Kapalea. Ben, et en fait, pour nous rester scientifiques dans l'approche noire, nous comprendre que nous faisons partie de CARICOM. Ça veut dire qu'on concourt de CARICOM et en mauvaise chose. Mais dans le contexte que nous vivons là actuellement, et ce concours de la CARICOM n'est pas tenu compte de la volonté populaire, de l'expression de la volonté générale. En fait, et si nous avons remarqué un peu partout dans le pays, nous senti à un fort pourcentage, pour ne pas mettre chiffres, pour ne pas mettre nombre sur pourcentage, disons à un fort pourcentage, nous senti peuplant les plus bons côtés et on certain Guy Philippe comme monde qui était capable d'être tête pays pour transition ça. Donc, c'est à partir de là, nous, ouais, que décision qui est comme yo pas et fait corps, yo pas matché avec ce que le peuple haïtien lui-même lui réclamait. Ah ben, en fait, on a rappelé que c'est le peuple qui a souffri
ça la vive là, donc les gens de la CARICOM, nos amis de la CARICOM, et il y a assez loin de situation à vivre là qui est assez frustrante, nous a dit qui est assez, c'est vraiment la désolation totale. Donc, je pense que nous avons tenu compte de sa peuple lui-même, du besoin dans le contexte ça. Et c'est là, on a montré vraiment que la communauté internationale, ouais, la région et des pays de la CARICOM, a montré que yo plus ou moins sensible à ça que les peuples haïtiens. Donc, et là, nous avons pensé, nous, en, dans nos communautés et de frères, dans nos communautés d'amis. Mais, et selon même, est-ce que Jean Gardé CARICOM, Jean que je dis, hein, l'a traité, l'a géré de ces Haïtiens, est-ce que, ou est-ce un dossier de frères et sœurs qui a réglé là, ou dis-moi, est-ce que son dossier de imposition de groupe en réel, parce que c'est moi, et m'a décidé ça, m'le pour yo, ou dis-moi, est-ce que ça, Jean CARICOM a réagi là, je dis, hein, c'est parce que je ne bourra, je ne supporte, je ne ensemble de acteurs politiques qui en Haïti, qui la cause que je dis à CARICOM, vient prêt comme un élément incontournable, un élément que je dis, hein, qui met au milieu de crise haïtienne. Et contrairement avec appui CARICOM d'a supposé poter, nous est clairement que n'est pas tenu compte de besoin peuple là, n'est pas tenu compte de monde peuple là, fait confiance, n'est pas tenu compte de monde peuple en quoi qui a mené back pays, qui a retiré l'insécurité généralisée qui vient là, qui a retiré le kidnapping, qui a fait souli dans le déplacement forcé, qui a fait dans un centre de quartier et dans tout le pays, spécialement pour le prince et dans l'Ouest en général. Donc, le nous garder comportement CARICOM, nous pas senti véritablement qu'il tenu compte de tout ça. Le nous est tout côté, tout le monde a demandé un seul monde, c'est Guy Philippe tout côté, mais remet ou pas, quand même, on pas qu'à nier un acteur comme ça. Donc, Guy Philippe est un acteur clé, ou pas qu'à nier dans un contexte pareil. C'est comme si, pas tenir compte de Guy Philippe ou bien écarter Guy Philippe dans la solution pour aller là, c'est continuer la crise dans son autre forme. Donc, est-ce que le monde qui l'a, il représente le peuple véritablement? En fait, faut n'a respecté que c'est des acteurs quand même qui viennent. Qui gagne un échantillon de population qui est là. Mais l'op fait comparaison entre tout acteur ça avec popularité Guy Philippe quand même, ouais, c'est vraiment pas une comparaison. Parce que Guy Philippe, c'est 80% au moins de la population qui dit ben non, Guy Philippe. Et puis acteur qui l'a, combien de monde représente la population actuellement? Par quoi il représente 20% de la population? Ensuite, l'on a des manifestations populaires, yo. Combien de monde ça a râlé déjà? Combien de monde ça a traîné dans nos manifestations populaires, ensemble de manifestations là, nous pas acteurs ça a terre. C'est vrai que les acteurs qui étaient soi-disant là, ensemble d'organisations qui étaient soi-disant là, qui étaient qu'on a parlé, etc., que ce soit par exemple, disons, si nous parlons de, si nous prenons Accor Montana, qui l'a depuis quelques jours, mais en termes concrets, est-ce que, en termes concrets, est-ce que nous sentons la population marcher dans les décisions, dans l'idée, dans la perspective et groupe Montana, et ça, et pour être sincère, non pas quoi. Mais Guy Philippe Rivella, tout dernièrement là, et puis où elle fait le tour du pays, c'est vraiment la grande foule qui traînait d'elle. Et je dis encore, où senti le peuple décider pour lui, mettez Guy Philippe dans tête pays hein, avec surtout et on l'autre leader charismatique qui vient faire quoi avec Kevin Ball beaucoup plus Kevin Ball décision Kevin Ball groupe ça a beaucoup plus de poids que le terrain déjà hein, qui seulement renforcé c'est l'acteur incontournable et avoir Moïse et Jean-Charles. Donc c'est deux grands acteurs, c'est deux leaders charismatiques qui ben disons le franchement qui pas de même origine politique, mais qui quand même senti la nécessité de se mettre ensemble parce qu'on dit ben c'est certainement une union pareille qui est capable de résoudre le problème de vivre là. Donc ni des acteurs comme ça non résolution de crise haïtienne non, c'est comme si on résoudre un problème qui pas en Haïti du tout. Donc là franchement et penser que et l'autre acteur a deux préférences. Il est mieux que yo rejoigne yo à décision que à décision du 5 mars et qui vient là dans l'interdit Guy Philippe et Moïse Jean-Charles avec le juge de la cour le juge et Duré Junior parce que yo fait ouverture yo pas imposé rien yo même yo dit yo fait ouverture parce que non transition c'est consensus yo pas imposé quoi que ce soit
Talè. Saint-Jean-Evans, pour répondre à vous en mettant, ça dit non, non, transition, c'est consensus lié, c'est pas imposition. Comment expliquer que c'est et consensus et pas imposition? Et comment t'as qu'à faire, on analyse de comparaison entre ça qui comme à parler là avec nous-mêmes dans le réveil là? Réveil, c'est ouverture largement large. Réveil, réveil slash petite dessaline parce que c'est au-dehors. Très bien. Il y a quitté ouverture largement large pour tout l'autre acteur qui a rejoint nous. Il n'y a pas imposé rien. D'ailleurs, nous avons près de 200 partis politiques qui adhéré avec le mouvement ça. Nous avons plusieurs milliers d'organisations politiques, d'organisations sociales qui ont également signé et position de grands acteurs SAO, savoir Réveil National et Petite Dessaline. Et l'équité porte ouverte à tout l'autre acteur qui senti yo concerné par souffrance population, qui senti yo c'est haïtien en âme yo. L'équité porte à tout l'autre acteur, net que soit les acteurs qui aujourd'hui a embrassé plutôt décision et initiative carrée comme non, qui par initiative haïtienne carrément. Donc, il laissait porte ouverte à tout le monde ça. Alors que pour la carrière comme lui-même, ouais, déjà, il écartait ses acteurs. Bon, l'on écartait des acteurs qui reflétaient volonté générale, qui reflétaient volonté population, c'est comme si on écartait population haïtienne, non. Ou pas qu'à pas tenir compte d'un acteur population rejoigné, soit du problème. Haïti, ou pas qu'à tenir compte de sa peuple lui-même livré. Ou pas qu'à imposer peuple en bagaille. Peuple en pas bête. Peuple en est capacité pour lui réfléchir. Peuple en est comprendre. Peuple en comprendre politique, contrairement à ça, en pile monde qui va penser. Peuple en pas bête. Donc, peuple en le choisir. C'est parce que le senti, c'est parce que le ouais, à partir de vie monde, à partir de sacrifice monde, ça fait pour lui, à partir de charisme, à partir de sensibilité. Que moun montrerait pour la population, donc la population dit, ben là, c'est mon choix, donc c'est un choix rationnel, donc nous ne pouvons pas écarter ça. Donc ça, c'est ma position. On avance les désirs. Très bien, Saint-Jean, et jeune politologue et praticien du droit, je dis, ça n'a pas abordé là, je dis, comme problème, les des droits et le politique également, parce que l'invitation n'est pas faite au hasard, et à travers l'émission ça pour matin. Et ensemble des acteurs, yo voulaient rejeter Guy Philippe malgré déclarations ou propositions et ou pétitions. C'est que mas, il y a un d'accord noir sur blanc, c'est Guy Philippe qui t'a dû représenter et dans transition comme président dans le conseil. Quand pas qu'être l'autre, t'as donc regardé. T'es Guy Philippe, lui, t'es condamné vers les États-Unis et ça, lui peut-être empêché suite avec un crime transnational. J'ai essayé donc garder question. Ou même, comme homme de loi, qui sont comprennent, qui sont dit avec moun, qui sont des profanes, dans sa qui est pour avec droit, sous question ça. En fait, moi pas pour citer des textes, des références légales et précises actuellement là, mais n'a pas appris que il y a pas mal de grands juristes qui parlent sur ça déjà, qui montraient personnellement que Guy Philippe n'a pas gagné aucun empêchement pour le tas candidat à la présidence ici en Haïti. Et déjà, il y a un exemple capable de prendre vaguement, c'est le fait qu'au retour de M. Philippe en Haïti, il était revenu pendant quelques heures à la DCPJ, il était questionné, etc., etc., et puis après plusieurs, etc., et questionnements, tout ça, etc. Donc, il relâche elle. Donc, ça veut dire. Ça veut dire, c'est la justice haïtienne qui dit, ben, il n'y a pas gagné pour retenir contre lui. Donc, si il n'y a pas gagné pour retenir contre, d'ailleurs, nous pas oublier que il était fin sénateur. Il était sénateur. C'est l'ex-sénateur. Il était sénateur. Donc, le fait qu'il était sénateur, déjà, est-ce que c'est son sorte de complicité qui est gagné au niveau de justice haïtienne qui fait que il était passé comme monde qui doit casser judiciaire propre? Bon, là, ça, c'est des questions que nous sommes capables de faire. Mais tant que l'hyper-colère n'est pas justice haïtienne, et que DCPJ qui était lié à la Cali, ce n'est sauf sans problème, n'est pas retenu. Donc, quelque part, c'est donner raison à Guy Philippe pour que les gains, les moyens, pour le gain, les connaissances, pour que les candidat à n'importe qui poste et qui fait le plaisir. Bon, on a toujours parlé de, en pile monde parlait véritablement de ce qui s'est passé
de 6 ans il est passé aux États-Unis en prison. Ben là, en plus, le juriste montre clairement que et là, le fait que c'est pas en Haïti, il était condamné, il n'y a aucun problème pour lui, candidat et à n'importe qui poste ici en Haïti. Bon, moi-même, plus je suis à bon côté juriste, ça y est. Moi, avance. En plus, mon gardé, traité à convention qui est pratiquement clair dans ce qu'il dit et suite avec crime transnational. Là, c'est Jean. Allô, c'est Jean? Ah. Oui, allô. Oui, Désir Venezi, en pile traité avec convention, il est clair sur question de crime et crime transnational. Oui. Ben là, moi, non, en fait, je ne vais pas parler trop technique dans ce sens-là, mais moi, m'a prêté, il y a un grand juriste haïtien qui était abordé la question. Ça, je crois que c'est un ancien ministre. Je me rappelle son nom. Mais il était clair sur ça, il montrait noir sur blanc que pas aucun empêchement pour Guy Philippe et candidat à la présidence ici dans n'importe quelle élection. Très bien. Qu'on y a regardé parti ingérence internationale là, sous parti politique là, comme jeune politologue qui pratiquement sur le terrain, comment ouais ensemble des choix qui a fait là aujourd'hui, hein, c'est des anciens sénateurs, anciens gouverneurs et ancien député qui a présenté avec la CARICOM pour au moins venir faire partie conseil présidentiel peut-être avec des observateurs. Li au profit de la République ou bien son bagage qui est déficitaire pour la République sur le plan budgétaire et politique. Bon, là, faut que nous disions qu'on gagne qui est clair et en termes de fonctionnement, de structure ça et que CARICOM et il y a censé inventer parce que nous pas vu bah ça déjà ici et là il faut que nous t'as gagné et loi cadre ou du moins c'est principe de fonctionnement et structure ça les CARICOM ont fait. Nous pas gagné, nous pouvons faire lecture de lit, mais que dans tout le monde qui parlait de Yoba qui parle budgétivement, on parlait de 7 président, donc ça veut dire énormément de dépenses. 7 présidents, c'est-à-dire si chaque gain a traité comme un président à part entière, donc ça veut dire ouais, là c'est beaucoup d'argent. Président, c'est ensemble d'autres privilèges, là ça peut coûter énormément à la République. Donc, par contre, comment ça fait? Est-ce que c'est des mounes? Est-ce que chaque palgon cortège? Donc c'est des bails qui n'ont pas défini du tout. Oui, c'est clair. Seulement, ouais, mon nouveau était un bail là, je ne sais pas. Pour qui, comment, pourquoi, donc, mais là, c'est ça qu'a fait. Bon, c'est peut-être parce que c'est le blanc qui demande, et puis, ben, tant que c'est le blanc, donc, on questionne pas trop, donc, on essaie de préférence de trouver sa petite place. Donc, voilà. Donc, là, il n'est pas clair du tout pour moi. Pour qui ça a autant de moon et non, conseil présidentiel, etc. Là, ça peut être clair. Très bien. Où c'est responsable, il y a une structure politique, qu'est-ce qui s'y est, proposition sortie des crises, que 5 mars là, selon vous, qui parti qui plus bénéfique dans la planification, proposition ça, surtout dans la crise que le pays a, qu'on est là, qui permet que vous-même, comme leader, ou river signal, ou river méthode à quoi clé? Allô, c'est Jevent? Oui, allô. Oui, allô. Oui, décidément de que, et qu'est-ce que vous me désirez? Comme responsable des structures politiques, qui signe, qui baille signature dans proposition sortie de crise ou bien pétition et déclaration 5 mars, qui ça que ouais, qui permet que vous intéressé à baille signature là-dedans et qui pral pratiquement reflété dans la réalité qui gagne avec le pays d'Haïti, je veux dire, qui a voté résolution avec crise qui est là. Et. Pour me dire bien, tout d'abord, nous étions en réveil avant même que nous étions qui pourrait gagner signature, ensemble de signature à partir de 5 mars, nous étions déjà en réveil. Ça que nous étions entrés dans le réveil, c'est à partir de ça, nous étions, ouais, dans un directeur général, Jean-Tel Joseph. Nous songeons lors de la construction du canal et comment qui position DGAT prend. Ça, quelque part, qui a attiré l'attention. Nous songez les agents de la DSAP et malgré l'exigence du gouvernement d'alors, bon, qui est encore là,
qui était voulait que Mounio déplacé que ben et favoriser ensemble de bagages République dominicaine TV à partir toute toute pression qui t'a faite sur les agents de la BISAP, etc. Mais il était tête. Donc ça t'a montré quelque part en forme de nationalisme. Et nous t'es capable de remarquer qu'il y a des GA et puis au niveau de tout le col hein, que le dégain sous commandement. Li. Et puis on comprend que c'est monsieur qui décide fait réveil national. On dit ben pourquoi pas, parce que là, nous, ouais, et nous plus ou moins rejoignons, non, que ce soit dans le nationalisme, dans le patriotisme, nous disons nous avons essayé de faire route avec. Et nonobstant, on a toujours gardé est-ce que la Kimberlini, est-ce que le pape dérouté, est-ce que c'est pas. Et, est-ce que c'est pas seulement pour faire mon et comment je pourrais dire, est-ce que c'est pas jeter de la poudre aux yeux? Donc ça veut dire nous toujours en observation, nous toujours à questionner, mais jusque là nous ça va bon train et puis nous sommes capables de kembe. Et avec également et l'arrivée de Guy Philippe qui montrait toute volonté libre, toute sensibilité de la population et puis nous ouais attachement population avec lui également. Ben on a reproché lui, je ne sais pas, et pour ses détracteurs quoi que ce soit, mais l'attachement de la population à individu et avec leader fait nous dit ben est-ce que c'est pas bien que nous étions connectés avec une structure pareille jusque là. Donc nous continuons à suivre. C'est vrai que ben et même j'en sautais là par terre le condamnation sur les États-Unis, hein, des doutes qui planaient, etc. Les voyages comme ça, mais jusque là et nous tendait un pile, mon pile dans vos livres, un pile grand juriste, nous tendait un pile et l'autre intellectuel dans diverses options au niveau de la science. Nous voyons également population qui part en population, bête et nous comprenons que ben, c'est pas mal que nous étions attachés à l'Union nationale qui était quand même une structure assez patriotique, assez nationaliste. Très bien. Ensemble, déclaration et Guy Philippe dans tout dernier moment, surtout après, et ensemble des signatures dans la date 7 mars pour jusqu'à jeudi qui a continué, qui parlait des questions amnistie pour les bandits, les gangs armés, je dis, qui pratiquement a simé terreur, qui a terrorisé la population dans différents recoins dans le niveau capital là. Après, déclaration ça, il fait la une d'actualité. Ou même en tant que juriste, en tant qu'homme de loi, et qui sont compréhendre des déclarations que Guy Philippe peut faire pour parler des amnisties pour les examio qui pourra le conduire dans la commission des vérités. Et ça, c'est une question qui est assez. Ça, il est assez compliqué, il est assez complexe. Mais il y en a qui me connaissent, c'est que comme structure politique, comme parti politique, il croit que et on sociologue tant que Spencer Dilly, toute faute impunie engendre une progéniture de faute. Donc nous croyons en punition, nous croyons en injustice, nous croyons en état de droit. Ben état de droit, c'est n'a pas rappelé le seul Hans Kelsen, c'est d'abord c'est respect de la hiérarchie des normes, et puis il y en a qui est extrêmement important à l'année, c'est indépendance de la justice. Sous point ça, non strict, non grandir. Et sous point ça, non vraiment strict. Toutefois, et dans le contexte où il est là, nous demander est-ce que Amnesty est capable de solution à ça, à vivre là? Est-ce que nous qu'à éviter et question amnistia que leader Guy Philippe est venu avec lui, ça qui fait un pile tollé au niveau de société. Le nous connaît ensemble de désordres qui fait c'est par monsieur Arméo, le nous connaît ensemble de souffrances population à vivre, que ce soit il est obligé de déplacer quitter quartier la Cali, quitter zone quitter Cali pour la péberge dans des abris de fortune et dans des conditions extrêmement inhumaine. Nous comprenons tout ça. Violation qui fait de droits mondiaux, viol qui fait sous-tifiaque, sous formatique, etc., etc. Donc, et, bagaille là, il y a un pile. Mais, est-ce que nous sommes capables de résoudre le problème banditisme de façon frontale, comme si affronter bandits par balle et fait face à face avec eux et puis détruit tout, le garder ensemble de timons
qui est dans la structure ça yo de jeunes de 11 ans, de 10 ans, de 13 ans. Donc c'est vraiment l'avenir du pays ouais qui est dans la structure ça. Est-ce que nous allons éliminer toutes? Est-ce que yo gagné? Est-ce que jeunes ça yo même yo gagné? Ça m'est arrivé en sorte de libre arbitre ou bien est-ce que ils sont conscients de ça à faire? Est-ce que c'est pas des manipulés? Est-ce que psychologiquement les jeunes ça pas mérité un traitement? Est-ce que ils ont un choix par moment que ce soit par exemple dans un quartier qu'ils ont pas un choix soit aux soins influence et peut-être influence de la loi ou influence d'autres des adultes qui forcent au fait parce que est-ce que au cas quitter quartier est-ce que au cas quitter pays n'est pas toujours facile et bon ensemble de questions t'es qu'à poser pour regarder est-ce que pas gagner des moyens pour que t'as gagné et réinsertion sociale pas gagner des traitements des psychologues des travailleurs sociaux qui t'es capable là pour regarder est-ce que pas gagner un jeune ça est-ce que pas gagner un monde ça qui t'a supposé réintégrer dans la société hein, à partir de traitements scientifiques spéciaux parce que ben ça c'est des cas spéciaux mais en fait, l'homme parle, pour moi-même, l'homme de Guy Philippe parlait de Amnesty, par quoi il y allait de façon totale et générale. Donc, Amnesty n'a pas inclus tout le monde. C'est trop facile pour ensemble de monde, pour ensemble de odieux, et puis pour tout le monde vague, et puis à profiter de tout ça, de toute mauvaise acte qui commettent, sans problème. Je pensais, et c'est tout un traitement, et commandant, et leader qui fait parler là, et nous pas le gagner, et tout processus qui parle maintenant découvrir qui est-ce qui a financé le mouvement ça, parce que c'est pas n'importe quel mouvement. Regardez les armes qui n'ont même pas ça, regardez l'ensemble de munitions, quand c'est cartouches qu'on a tiré à la minute, à la seconde, ça veut dire qu'il y a toute une industrie qui derrière ça. Est-ce que nous sommes capables seulement d'éliminer les bandits, comme ça m'aimerait aller les pauvres exécutants, les imbéciles exécutants, parce que en pile là, ils ont pas même comprendre ça à faire. Ils ont pensé au chef et puis ben c'est chef pour un jour, parce que le plus souvent c'est des mondes qui mourent par balle et la police etc. Donc c'est pas des populations mais autrement ça a plus de l'allure passé. Donc il y a tout un traitement pour faire de bagaille ça. C'est pas un bagaille qui est facile comme ça. Ensuite pas gagner et amnistie sans jugement. Donc, c'est-à-dire, c'est ensemble de monde qui peut passer dans le jugement. Et le jugement, il peut demander tout un ensemble de spécialistes pour garder non seulement l'industrie, ça, comment les qu'est-ce qu'il y a de tel, parce que le monde qui a de tel, c'est beaucoup plus intéressant pour payer que le monde, que les exécutants eux-mêmes. Parce que nous, maintenant, les exécutants, nous pas, ouais, monde qui construit toutes les bases dans la Bible là, monde ça exactement parce que c'est au café Zamantre, c'est au café Mission Entre, c'est eux qui ont les moyens pour faire des gens de base, c'est eux qui ont les stratégies parce que quand on pile les go scientifiques expliquer lui, ça c'est des stratégies militaires de haut niveau qu'a fait là dans toutes les zones métropolitaines, dans point cercle pour au prince pour nous vivre ça dans la Bible là. Il y a des attaques qu'a fait sur pas mal de structure dans l'État. Donc, bagaille en pile, je ne veux pas pour mon seul mental d'amnistie pour penser que c'est seulement quitter tout le monde vivre de toutes les activités faites sans qu'il n'y ait pas de bon jugement. Amnistie pas faite sans jugement. Donc, jugement la fête, mais il faut un traitement spécial. Ce n'est pas seulement venir, prendre la police, prendre l'armée, venir avec un corps, je ne sais pas, venu d'ailleurs, pas un propos, et puis tirer sous le monde comme ça. Donc là, c'est à résoudre un problème. Et puis, résoudre une partie d'un problème pendant qu'on quitte tout le problème. Ça veut dire que ça peut retourner, sous pas fait un traitement spécial de situation pour qu'on ait qu'est-ce qui est dans la tête. Li. Et puis, jeune, ça va pauvrement pour le job qui a exécuté Bayo. Donc, on a traité tout. Mais, le monde qui construit ça, nous pas qu'à quitter au derrière. Donc, l'amnistie pour moi-même, c'est le sentiment total qui va déboucher sur vérité. Ya, et il va le condamner, le monde qui véritablement mérite condamnation. Yo. Très bien. Comme juriste, politologue, je dis à modèle comportement et agissement, nek examen qui regroupé à travers une structure qui aurait les vies ensemble, qui pas épargné personne qui a croisé sous route, qui pas côté inquiétude pour même cap fait politique et qui dans la justice à travers le pays d'Haïti. Ou qu'à reprendre pour moi, s'il vous plaît. Moi dis agissement nek examen qui regroupé au vers une structure qui aurait les vivre ensemble ou même comme politologue juriste est-ce que ça li pas inquiété au pour gens il a agi à travers pays ya? Bon ça situation qui la masse l'inquiété tout le monde
Parce que moi-même pas heureusement pourquoi j'aime tirer sur moi mais c'est que c'est pas privé donc moi-même buis balle seulement fait me trembler comme pressé ça veut dire ça pas capable moi ma vie toujours ça veut dire le gain est fusillé sous chef de mars et le gain échange de tir sous chef de mars entre la police et les bonnes armées donc c'est presque dans j'aurais moins des fois mon budget quitter zone monter plus haut. Vous voyez, donc ça inquiétait moi-même, par exemple, machine, moi-même, pas qu'à quitter dans le parking, moi. M'oblige à serrer machine, moi, bien loin. Et puis, me fonctionner. Bon, même rouler machine, dernier temps, ça. Tellement situation a dégénéré. Mon peur. Famille, moi, on passe en famille qui vit en pleine, spécialement à bon repos. Mais pas aucune autorité de la police à bon repos en pleine. Donc, moi-même, je ne vais pas aller où est-ce que moi, en plus, parce que je dis c'est des jeunes, ben, c'est des jeunes qui, dans la structure, sûrement vivent ensemble, qui contrôlent les zones, non. Et puis, c'est pas horrible qui a passé là. Ça n'a pas inquiété personne. Et ceci, ça a tellement inquiété. Moi, bon ensemble, deux mondes qui ont pu les payer par tous les moyens. Bon, ceux-là qui ont de grands moyens, vous entendez, c'est un peu dit à travers les réseaux, des mondes qui ont versé jusqu'à 15 000 dollars américains pour seulement vivre en République dominicaine par hélicoptère privé, puis qui étaient bien, c'est parce que, ben, elle inquiétait tout le monde. Vous voyez, c'est des mondes qui vivent dans des quartiers qui, à un moment donné, qui étaient considérés comme des quartiers UP, des quartiers résidentiels où vivent les gens de grands moyens. Mais, eux-mêmes, ils sont également inquiétés. Tout inquiétés. Moi-même, quoi qu'à vivre, disons, dans la masse, moi, extrêmement inquiété. Mais et comment résoudre tout cela? Comme politologue, je crois que vous avez une capacité pour faire radiographie des situations et faire des propositions pour venir avec résolution. Comment nous pouvons affronter le problème ça, si nous pas décidé d'affronter par la force? Et quelle autre manière, si vous voulez utiliser le dialogue, par qui j'ai le capitaine pour résoudre le problème, c'est là. C'est Javins. Ah, ok, d'accord, oui, je suis là. Vous avez des questions des îles? Vous avez des questions des îles? Oui, tout à fait. En noir aussi. Oui. Le problème est extrêmement grave. Il est extrêmement grave, mais il est à résoudre. L'extrêmement grave, même qu'à résoudre. Je pense souvent que si nous contrôlons nos ports, les aéroports, là, c'est déjà quelque part un commencement de solution. Parce que munitions côté sortie, munitions continuent à venir. Munitions continuent à rentrer ici. Je ne sais pas. Par toutes les entrées. Il y a tellement d'entrées. Il y a tellement pas contrôlé. Donc, munitions toujours à venir. Tant qu'on pas t'es chaud. Donc ça, contrôler nos ports, aéroports, donc et toute porte d'entrée pays, c'est déjà un commencement de solution. Ensuite, pour le dialogue, mais il y a des leaders qui parlent avec Mounio. Et au senti Mounio, le fait qu'il a demandé amnistie, il a envie de poser les armes. Ouais, Mounio a des désirs, il a des volontés. Au senti Mounio peur. Parce que moi, je suis sûr que nous pas des kamikazes ici, comme si des mondes qui pas venus pour vivre, ou qui venir, etc. Non, nous pas des mondes ça ici. Nous avons des mondes qui remet la vie ici, mais qui trouvaient ou non un contexte particulier qui fait que ben ils ont décidé, ils ont osé faire affrontement. Mais c'est pas que pas remet la vie. Donc dialogue là, penser son bail qui cas utile dans ce sens ça. Mais au cas où, mais à côté de ça, la police tout gagne de voir et c'est la police tout gagne de voir et tant que ça n'a pas qu'à passer, tant que le dialogue pas qu'à bail et résultat, la police et l'armée sont capables de nous résoudre des problèmes. Donc, mais c'est, d'abord, c'est la volonté politique. Ce n'est pas une volonté politique, pas rien de tout ça qu'a fait, qu'a résoudre. Je me rappelle, sans flatter ce ministre, c'est M. Delisle, Lucman Delisle. C'était déjà porté un morceau de solution. Et puis, on a appelé nous à l'époque et le PM d'alors, et décision était prise qui était contraire avec la position de M. Delisle. Donc, vous voyez, volonté politique pas là du tout pour résoudre le problème, non. Ensuite, on pourrait demander, par exemple, aux États-Unis ou encore, de nous aider, par exemple, de contrôler toute la capsule des États-Unis, parce que ben, si les États-Unis mettaient un barreau aux amnistites, pour que ça ne soit pas 40 ans, pas de l'autre côté, parce que ben, sûrement les États-Unis pas appelé, ou bien sûrement l'autre pays a contrôlé entre eux. Donc, vous voyez,
Quand c'est le munitions qui est là, s'il finit, disons, dans un mois d'échange avec la police, est-ce que a bien, si on ferme l'entrée de munitions, c'est quelque part en solution. C'est-à-dire, ces armes qu'il a de tout type, de toute qualité, ils n'ont pas pu la une chose pour les bandits. C'est-à-dire, bandits ont couru. Parce que population pas aimé ce qu'a fait là. D'ailleurs, les couilles qui étaient zonées chaque fois. Donc, la vie dans des camps de fortune. Donc, moi-même, c'est vrai, la situation est grave, mais la situation. Li, pas si grave que ça, le nous garder volonté politique qui a résolu. Mais moi, je ne vois pas la volonté politique pour résoudre bagaille ça. C'est plus gros problème moi-même. En vraie transition, en transition patriotique, en transition saine, qui a résolu le problème. Non? Et ceci me parle qu'on la prend un peu le temps. Et je me rappelle ce général et ce commandant de l'armée haïtienne, si je ne me trompe pas de grade, qui t'a crié l'ouest à fait là. Mais est-ce qu'il y a les moyens du bord? Est-ce qu'on bat les moyens pour résoudre ça? Il Vous demande parlez très déjà peu d'un pour résoudre ça. message. Exactement. Il demande très peu pour résoudre. Oui, bien sûr. Il demande très peu.